Bon, t'inquiète, hein, moi j'ai pas que 10 dollars sur moi, hein, ça t'inquiète pas. Hein. Ah bon? Comment sais-tu? Tu as regardé mon compte en banque? Tu as regardé mon compte en banque? Tu vas mourir, c'est ça? Tu vas mourir! Wesh, pourquoi? C'est pourquoi? Attends, tu viens de prendre quel accent là? Ah ouais, avec un flic. Attendez que je le trouve. Et tiens, lâche le but. Ah, vous venez m'aider ou comment ça se passe? C'est bah il se passe quoi là? Ah ouais. Bonjour, c'est pourquoi? Bonjour, Tristan. Non, en fait, c'est Tristan, t'inquiète pas, je suis avec toi, je suis la police, donc ne m'oublie pas. T'es de la police? Bah, en fait, mon pote que t'es enfermé dans la cage, il arrive pas à sortir, s'il te plaît, tu peux pas relâcher. Ah non, mais parce qu'il est cage, mais je sais pas c'est qui, combien de temps il a fait. Bah, attends, bah, ça doit être Nolan. Nolan! Attends, il m'entend pas. Nolan! Ouais! Chercher une licence d'armes. Ouais, avec des armes. Monsieur le maire. On est là. Ah bah attends, collègue. La Maison Blanche. Vas-y, quand. Il est à la Maison Blanche. Oh putain, tu conduis comme mon bled, toi, dis-nous. Ta gueule, là, moi je conduis bien. Toc toc toc, c'est les calendriers. C'est les calendriers de bœuf bourguignon. Ridolet, merci cochon. Oh, il est là. Monsieur le maire. Les gars, on le viole chacun notre tour. Attendez. Vous êtes pas monsieur le maire dans ce cas. Vous êtes pas monsieur le maire. Tous sur son corps! Papidou. Vas-y, dégage! Dégage! Vas-y, Hortam, j'arrive après. Allez, Angel. Oh! Il m'a tué avec. D'accord. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va vous fouiller. Ah oui, allez-y, fouillez pas, pas de problème. Je vous en prie, rentrez, monsieur. Hop. Je vous en prie, asseyez-vous. Bon. Bah alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Racontez-moi. Je prends mon petit carnet. 95, bienvenue toi. Mon petit carnet. Alors, Chelmin, Valère, Valentin, Blondin, Archelet. Il vous a pénétré? Il vous a enculé donc, je note, enculé. Non, il m'a pas enculé. Non, il m'a pas pénétré, il m'a harcelé. Ah, il vous a entrelacé? Ah bah écoutez, je vais faire ce qui est mon pouvoir. Ah, donc vous vous êtes fait enculer. Allez monsieur, dites-le moi. Non, mais j'ai pas enculé. Si, vous voulez pas me le dire. D'accord, c'est pas grave, on verra un autre fichier pour ça. Ah donc, ah, on va y aller dans un moyen de transport. Pas le temps de niaiser. Wesh. Ah, excusez-moi, je cherche un Valentin Blondel. Oui, c'est moi. Vas-y, monte dans la voiture. Je
vais t'expliquer un peu ce que c'est que le bail. Vous en priez, la salle du fond. Revers Baben. Là, ici, celle-là, là. Viens, non, ici, ici, là, là, là. Ici, là-dedans. Bref. Asseyez-vous sur la chaise en bois, s'il vous plaît, là. Non, pas celle-là, l'autre. La toute petite chaise, là, de merde. La chaise de merde, là. Voilà, celle-là. Alors. Ah, laisse pas rentrer l'avocat pour le moment, on attend. On attend, monsieur. Pour le moment, on a. Attends, Zebaï, il y a encore rien reproché. Justement, alors Simon va vous expliquer sa version et après vous m'expliquerez la vôtre. Alors Simon, je vous laisse, je vous en prie. Et vous voyez, il m'a demandé de faire des danses comme celle-ci que je suis en train de vous montrer. Il m'a même pénétré l'œsophage, oui, c'est possible. Monsieur Simon, on va devoir vous examiner pour savoir si réellement vous avez reçu quelconque bâton dans la gorge. Du coup, on va vous ausculter ça. Je vais appeler mon cher collègue Zebaï. Zebaï! Donc, si jamais nous trouvons quelconque trace de spermatozoïde, nous allons évidemment vous arrêter pour viol à main armée. Si jamais il n'y a rien, vous me laissez finir. Nous allons prendre une. Enfin, personnellement, je ferai une plainte contre Simon. déjà de alors, une. Si jamais il y a un pédobir, hein, qui paraît que c'est rentré. C'est pas grave. C'est pas grave. On veut Zebaï. Il est où Zebaï? C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Bon. Oh, c'est quoi ce bordel? Laissez fermer. Monsieur, moi je trouve que vos agents sont assez casse-couilles. Un peu, bon, c'est pas grave. Bon, suivez-moi, monsieur Simon. Vous en prie. Venez là. Alors, on va se mettre où hein? Bah alors, oh bah tiens, je savais pas qu'il y avait cette salle. Ah oui. Ah, on va peut-être pas aller là en fait, c'est censé être privé. Viens, on va aller par là. Alors. Oui, on va aller dans les douches. Ouais, non, c'est trop visible, on va se mettre là. Les tiens le... Allez, alors. Le phallus. Ah. Monsieur le commissaire, partez s'il vous plaît, ça peut être gore. C'est jamais. Qu'est-ce qui se passe? Fouille anal. Oh monsieur, oui. Ouvrez donc la bouche, faites Par contre, dégage s'il te plaît, le commissaire. Bon, faites s'il vous plaît. Alors, c'est quoi ce tartre là? Ouais, ouh. Ouais, d'accord. Ah bah je viens de vous retirer un de ces trucs là. Je savais pas que vous aimiez apprendre l'histoire, monsieur. Putain là. En fait, quand j'étais en troisième, mais j'ai triché en mettant des globes dans. D'accord. Vous mettez donc des boules dans votre gorge. Hop, à l'air. Ah, y'a pas que des boules que je mets dans ma gorge. Ah bah oui, bah c'est une grosse que vous avez là, hein. Fa. On vient de ma bite. Bah non, mais je viens de sortir ça de votre bouche quand même, de votre gorge. C'est un peu osé. Ah oui, d'accord. Non, en fait, ça c'était pour striptease. Oui. Alors, vous avez deux caries, mais ça on s'en fout. Ah! Il y a un peu de blanc là. Alors, c'est du blanc, mais ça c'est du blé. Il y a des restes de hier soir. Ah, ok, c'est bon. Ok, je viens de. Ok, c'est du sperme. Bon, je vais analyser ça au labo. Voir à qui appartient ce sperme. Oui. Je reviens dans quelques secondes. Bon, je suis revenu, monsieur. Ah oui, monsieur, je vous. Ben, j'ai trouvé à qui appartenait le sperme. Vous voulez savoir à qui appartient le sperme? Oui, s'il vous plaît. Alors. Papa. Oh non, loin de là. Le sperme appartient à. Ouais, eh ben, monsieur, vous venez de sucer un policier, bravo. Ah, vous avez. Selon. Monsieur, non, ne vous évanouissez pas. Ce n'est que Zebaï, après tout. C'est moi, je suis là, Zebaï. Ouais, Zebaï, c'est normal que j'ai retrouvé ton sperme dans sa bouche. Je suis occupé. Non, je... c'est pas normal. Non, deux secondes. Alors, c'est moi, Zebaï, l'agent. Donc, oh là là là. On se calme. Aïe. C'est calme. Excusez-moi, monsieur. Bon, donc, Zebaï, tu vas m'expliquer. Non, arrête ça. Tu vas m'expliquer, Zebaï, pourquoi tu as. Pourquoi j'ai retrouvé ton sperme dans sa bouche. Ah, ça, ce n'est pas normal, c'est lui, je comprends pas. Ah, non.
C'est un pédophile. Ah, donc vous avouez donc que vous l'avez sucé. Normal, j'étais violeur. Non, mais chez lui, il m'a pris, il a pris ma tête, il a fait grand blanc, grand blanc. Ok, pour voir. Oh là là, on se calme. Oh, on se calme. Vous voulez pas. Déjà, Zebaï. Pour ce que vous avez fait, vous risquez beaucoup, Zebaï. Mais alors, en plus, Simon. Tu risques beaucoup ici. C'est qui le chef de vous déjà? C'est moi votre chef, monsieur. Non, bah, monsieur. Tu ne le frappes pas. Vous êtes un ripou, monsieur l'agent Otaku. Je pensais qu'on était cousins. Hein. Oh, il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. Il est où? Bah. Ah merde. Ah mais du coup, vous êtes ah merde. Bah du coup vous avez tout vu. Qu'est-ce que ça dit? Les castagnettes. Allô, bonjour. Ah, oh, vous êtes volontaire? Ah, Girafter à l'appareil. Jean-Tristan à l'appareil, je veux dire. Ouais, bonjour. pour les résultats de tout à l'heure. Bon. Alors, oui. Ça, c'est compliqué. C'était pas votre sperme, je vous rassure. Donc, bah, c'était celui d'un policier, mais malheureusement, le policier est mort. Je sais pas comment. Et Simon aussi, par la même occasion. Du coup, bah, je suis désolé, mais voilà. Il est décédé. Ok, bah franchement je suis franchement navré, désolé. Ah bah vous savez, c'est une grosse perte, hein. Bon après c'est bye, voilà, bon, c'était pas de sa faute, mais bon, obliger quelqu'un à sucer alors qu'il est policier. Bon bref, en tout cas, voilà, bah du coup je vous souhaite une bonne journée, encore désolé de vous avoir fait déplacer pour rien. Merci, au revoir. Bonne journée. Salut. C'était quoi ça? What the fuck? C'est bon! Ouais, c'est pas grave. Code? Eh, hey, je vais te tuer, Simon! Humour de policier, voyons. Bah, alors, que faisiez-vous entre cet instant et l'instant d'avant? Au commissariat. En fait, merci, Mathis. J'attendais le commissaire parce qu'il y a une. C'est occupé! Quoi? La licence? Bah, faut aller voir le maire si vous voulez une licence de weapon. Bah, le commissaire, il en veut pas, monsieur. Non, si, pas le commissaire. Chut, il en veut pas, il est occupé. Il est occupé à... Enfin, vous savez, il est... Enfin, il... Enfin, vous voyez. Bon, écoutez, hein. Pas de problème. Bonne journée. Attendez, monsieur, on va juste faire un petit check. Juste contre le numéro, bah... Un check. Bah, si en fait, il y a des 1000 checks. Bah, en fait, j'avais acheté la licence. Donc, j'ai les armes, en fait. Hey. Mais s'il vous plaît. Possession d'armes illégales. Mais écoutez-moi. Possession d'armes illégales. Arrête de bouger. Ok, Thomas. T'as plus d'armes. ouais, je vais arrêter. Je vais rendre mon tab. Je vais rendre mon flingue, mon tablier et tout. Tablier, tout ce que tu veux. Ah mince. Moi, je sais pas. Je vais rester un peu au chômage. On va voir un petit peu. Bah, allez. C'est dommage, hein, parce que j'ai un très bon boulot. C'était un plaisir d'avoir travaillé avec vous, monsieur. Ouais, moi aussi. Je peux vous faire un câlin, c'est bon. Oui, bien sûr. Oh, dégage. Ouais, oh, il m'a demandé d'imiter là. Dégage, on est pas pédé, hein. Ouais. C'est moi que. Ouais, ouais, un câlin. Ah, mais toi, voilà, t'es le même.